Vous savez, il y a un élu qui a été menacé la semaine dernière. Il a déposé plainte rapidement. Là, c'était des menaces. Hein. Et c'était pas un maire. Il a déposé plainte rapidement. On a ouvert une enquête très vite, tellement vite que l'auteur de ces menaces avait déjà peur et était déjà parti s'excuser. Et la réponse judiciaire a été donnée dans les 24 heures. Hein. Vous voyez, tout ça, on peut faire, on sait faire. Là où on est moins bon pour l'instant, c'est sur ce qui se passe sur Internet. Donc, je vais recevoir votre collègue maire qui a eu ses déboires, et je vais réfléchir avec elle comment on peut vous aider dans ce qu'on fait, que d'habitude on ne poursuit jamais. Hein. Je vous dis très clairement, les procureurs de la République ne poursuivent pas d'habitude les injures ou diffamations, notamment sur les réseaux sociaux. Mais il va falloir qu'on trouve une solution, parce que ce qui est paradoxal, c'est que c'est là où finalement vous êtes le plus en danger, parce que les réseaux sociaux, on sait combien ça tourne vite et combien ça peut créer de dégâts, et c'est là où on est le moins armé juridiquement pour vous aider. Mais en tout cas, comme j'ai bien compris, je ne l'avais jamais fait hein, jusqu'à présent, comme j'ai bien compris que ça devenait une vraie problématique, je vais réfléchir avec mes collègues, et notamment quand je recevrai cette maire, pour savoir comment, de façon générale, on peut mettre en œuvre des dispositions et les pratiques pour vous aider. Donc, vous avez bien compris hein, que ce traitement des plaintes sera prioritaire pour nous.